Hey, c'est Maxou, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur GTA. Aujourd'hui, on va custom la Vavid Flash GT. Vous pouvez voir ici, voilà. Donc, même pas custom, elle est vraiment très très stylée. Donc, voilà, je vais faire un petit tour comme ça. Donc voilà, je vais refaire la vidéo avec ma customisation. Et comme ça, je pourrai un peu parler de l'avenir de la chaîne et des changements à venir. Alors, on va déplacer ça. On va le déplacer là. Je tourne la vidéo en. Ouais, si je fais la voix off là, en fait, pour tout savoir. Enfin, si ça vous intéresse. Hein. Donc, voilà. Parlons un petit peu. Donc, la voiture là, on va faire la custom. Et parlons un peu de. Et parlons un peu de. Voilà, donc l'avenir de la chaîne. Alors déjà pour les FaceTime, ouais j'en ai fait une sur Mixer. Mais si ça vous intéresse vraiment, dites-le moi en commentaire et j'en ferai une sur YouTube. Donc une vidéo ce coup-ci. Parce que j'ai fait un live au cas où. Mais donc voilà, ce coup-ci on va faire une vidéo. Là donc il n'y a pas de son. Mais je vais vous faire une séquence son après. Enfin pour vous à la fin des vidéos. Voilà donc là dans la chaîne, on va faire des FaceTime. Il y aura du Fortnite, mais. Pas trop trop non plus parce que voilà faut vraiment faire des trucs ouf peut-être des compiles vraiment ouf mais bon et après je vais peut-être essayer de faire une chaîne de voitures mais de vraies voitures genre des Porsche et tout et je vous en parlerai de ça plus tard c'est un projet qui va se faire et donc voilà ce sera des vidéos IRL et je dois reprendre le matériel et tout mais ça ce sera après donc passons à la custom donc déjà voilà, c'est une voiture de base de rallye, donc c'est une sportive, c'est elle est plus typée rallye. Voilà, là c'est assez stylé. C'est un peu l'équivalent de la Ford Focus RS, dont je vous montrerai une photo. Voilà, parce que ça a été fait pas mal en anglais, dans des vidéos anglaises, mais rarement sur les vidéos françaises on parle de ça, la référence. Et donc voilà, là je vous mets l'image. Donc là on fait la custom de base. On peut pas la modifier chez Benny, hein. Ça c'est voilà, ça je vous le dis. Comme ça vous êtes au courant. Tac, ouais, ça on fout ça. On va foutre ça. Moi je mets tout le temps le plus cher généralement. Hein. Parce que ça c'est stylé, mais j'aime bien le carbone, hein, pas se cacher. Ok. Donc là on va foutre ouais carbone comme ça hein. Ça passe on a la thune nécessaire ok ouais ça on met moi je mets en carbone ça passe aussi en carbone tac ok donc là on va mettre le klaxon pour les courses voilà c'est bon. Ouais, phare xénon, la base, on met tout ça. Couleur, on mettra après. Vous regardez les motifs. Non, pas celui-là. Celui-là, ce sera un motif que je vais mettre plus tard. Je la mettrai en rouge ou en blanc, d'accord, avec ça. En attendant, je vais mettre le motif lion. Parce que celui-là, il est stylé. Ah, celui-là est très très stylé. On va mettre l'autre, le dernier. Qui est vraiment. Voilà, celui-là. Avec le jaune, ça passe vraiment très très bien. J'ai beaucoup hésité avant de le faire, mais ouais, franchement, c'est un très bon choix. Et au final, ça rend bien. Ok, donc là, on va mettre plaque noire, Maxou, la base. Là. La couleur, on va laisser en jaune parce que. Ouais, en vert, ça pète aussi, franchement. Je n'ai pas le vert lime. Si j'avais le verlim, je pense peut-être que je l'aurais mis en vert. Parce qu'en vraiment en vert, ça le fait. Mais pour avoir le verlim, il faut faire débloquer, faire masse de courses et tout. J'ai trop la flemme. C'est vrai que le verlim, ouah, c'est. Mais en jaune, franchement, c'est très stylé. Ouais, franchement, c'est stylé en jaune. En rouge, ça peut être aussi, mais ouais, le verlim, c'est. Allez, on met en jaune. La couleur crew, c'est stylé aussi, mais on va pas mettre ça. Finition, on verra plus tard. Là, ouais,
Ça, on va mettre carbone là, ouais. Carbone ou jaune, je sais pas. En fait, j'ai l'impression de refaire la custom. Ouais. Ça. On va mettre le même que l'aileron. C'est stylé. Rapport avec l'aileron. Tac, le bas de caisse, bien sûr, celui qui est tout en bas, c'est la base. Parce qu'en carbone et tout, on aime. Ça. On va foutre. On va garder l'aileron, je pense. Parce que j'aime bien le truc Vapid Flash. C'est pas trop trop gros non plus, voilà. Et ça le fait bien. Moi, je l'aime bien, cet aileron. Peut-être celui-là, mais non, il est... ça fait une petite voiture, je sais pas. Franchement, moi, je l'aime bien, celui-là. Hein. Ça, c'est lequel? Ah, c'est le Vapid? Non, je sais pas. Là, ça fait trop... Là, peut-être que je le mettrai, le gros, peut-être que je le mettrai quand je la customerai en rouge. Pour l'instant, je l'aime bien comme ça, moi, perso, ma voiture. Suspension, la base, on met tout en bas, je pense, ouais. Au pire, on changera. Ça, transmission à fond, turbo à fond. À fond, pas grand-chose. Hein. Alors, les jantes, c'est un peu chiant parce qu'il y en a toujours les mêmes jantes. Y a pas assez de jantes, je trouve. Après, voilà, c'est des jantes de merde. Je pense que ah, ça va mieux celle-là. Hein. Je sais pas. Ouais, franchement, ouais, celle-là, ça le fait grave. Couleur, faut en foutre le jaune. Hein. Voilà. Base. Ça, ok. Ouais, jaune, ça le fait nickel. Regarde bien que ce soit les bons teints de jaune. Pneu custom, ça part. Amélioration des balles, voilà, 25 000, ça fait mal, mais c'est obligé, noir. Parce que le jaune, ça rend pas beau. Tac, teinté, mais on va pas mettre trop trop non plus. Parce que trop, je sais pas. C'est stylé d'ailleurs, mais je pense que juste un peu. Juste un peu, ouais, ça le fait, voilà. C'est trop. Et après, voilà, nickel, hein. Ça, jusque-là, c'est bon. Ok, donc maintenant, là, c'est parti pour les petits tests. Voilà, là, maintenant, voilà, il y a le bruit. Pour tout vous dire, je viens de refaire un rec. Pas honteuse, les gens. Ouais, donc voilà. Niveau accélération, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment une... Ouais, franchement, elle a une très très bonne accélération. Elle a une vitesse de pointe pas très très ouf. Elle a un bruit plutôt pas mal. Après, voilà, on le voit, elle tient très très bien la route. Mais vraiment, vraiment très très bien. L'aileron il la rabaisse bien, ce qui fait que voilà, vraiment elle décolle pas trop dans les. Même quand on va vite. Elle a des freins, mais vraiment. Elle a des freins très 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 bons. Et voilà, après, que dire de plus sur cette voiture? Donc voilà. Après, c'est ma custom, je ferai d'autres custom. J'ai un peu des idées en tête, etc. pour la voiture. Bon, là, là maintenant j'ai 3 000 $, je crois. Donc j'ai même plus assez pour faire pas grand chose. Là faut que je me fasse de la thune. Mais sinon voilà, c'est une assez bonne voiture. Allez, c'est parti pour les tests sur la base militaire. Terre, allez monsieur, voilà, prends un petit seul. Essayez de me laisser rentrer, c'est gentil. Ouais, bon ok, on va aller direct à la base militaire. Cette barrière elle s'ouvre jamais de toute façon. Voilà, elle a de très très bons freins. En pleine accélération, elle freine plutôt pas mal. Ouais, on va direct aller sur la piste de décollage. On va préparer pour tester la voiture. C'est parti. Ok, voilà, donc là, comme on a fait le test, vous voyez, l'accélération est plutôt pas mal. Et voilà, pour une voiture de rallye, c'est vraiment assez cool. On va tester un peu la résistance avec un minigun pour voir un peu ce que ça fait.
À mon avis, ça tient pas très longtemps. On va tout ouvrir, on met le moteur, tac tac tac. Attends, je sais pas si j'ai assez d'argent. Ok. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez.